Combien de temps allons-nous déverser des dizaines de milliards d'euros ou de dollars pour alimenter la guerre en Ukraine? Monsieur Zelensky, après avoir arraché 30 milliards de l'argent des Européens auprès de Madame von der Leyen, vient d'arracher 8 milliards supplémentaires aux États-Unis. Cet argent repart immédiatement dans les caisses des Américains, des marchands d'armes américains. Et on a même vu Zelensky, hilar, signer son autographe sur des obus qui allaient tuer son propre peuple. Comment accepter cela? Alors qu'une paix est possible, la Chine et le Brésil viennent de proposer une paix équitable. Zelensky et Poutine avaient même signé une paix il y a 2 ans qui a été bloquée par les Américains. Donald Trump a expliqué que s'il était élu, il ferait la paix. Alors de grâce, le rôle de la France doit être de proposer une paix équitable. Retrait des troupes russes, autonomie du Donbass, neutralité de l'Ukraine.